Bonjour, Monsieur Ebata William, prof de sciences physiques au lycée de la Révolution. La leçon d'aujourd'hui portera sur l'OG3 de chimie, réaliser l'étude des solutions aqueuses, des acides et des bases. C'est notre leçon du jour. Réaliser l'étude des solutions aqueuses, des acides et des bases. Qu'est-ce qu'on entend par une solution aqueuse? C'est quoi une solution aqueuse? Une solution aqueuse est une solution dont l'eau est le solvant. Lorsqu'on parle d'une solution, c'est le mélange formé par un solvant et un soluté. C'est ça une solution. Lorsqu'on parle d'une solution, il s'agit du mélange d'un solvant et d'un soluté. Le soluté est dissous dans le solvant. Lorsque je parle par exemple d'une solution aqueuse, c'est une solution dont l'eau est le solvant. C'est-à-dire que lorsque je parle d'une solution d'acide chlorhydrique, j'ai donc l'eau plus l'acide chlorhydrique. Lorsque je parle d'une solution aqueuse de chlorure de sodium, j'ai donc l'eau qui est le solvant et le chlorure de sodium qui est dissous dans l'eau. Voilà. Donc, nous allons étudier les solutions aqueuses, des acides et des bases. Comme je l'ai dit tantôt, une solution aqueuse, c'est une solution dont l'eau est le solvant. L'eau est le solvant le plus utilisé en chimie. Voilà, on va commencer par grand 1, propriété électrique de l'eau. Propriété électrique de l'eau. Petit 1, structure de l'eau. Voilà. Structure de la molécule d'eau. Voilà. La molécule d'eau, la formule de la molécule d'eau, c'est H2O. L'eau est constituée de deux atomes d'hydrogène liés à un atome d'oxygène. Donc, on va écrire ceci. La molécule d'eau de formule H2O est constituée
de deux atomes d'hydrogène lié à un atome d'oxygène. Deux atomes d'hydrogène liés à un atome d'oxygène. Ça, la formule de la molécule d'eau. Voilà. La molécule d'eau, a une géométrie angulaire. Elle a une géométrie angulaire. Voilà. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la molécule d'eau est constituée d'un atome d'oxygène lié à deux atomes d'hydrogène. Vous avez l'atome d'oxygène qui est lié à deux atomes d'hydrogène. Voilà. Ici, vous avez deux doublés non liants. Et ici, vous avez les électrons formant les liaisons, les électrons qui résultent des liaisons covalentes formées entre l'atome d'hydrogène, entre chaque atome d'hydrogène et un atome et l'atome d'oxygène. Voilà. Ce doublé est plus proche de l'atome d'oxygène parce que l'atome d'oxygène est plus électronégatif que l'atome d'hydrogène. Voilà. On dit que la molécule d'eau a une géométrie angulaire. Voilà pourquoi la structure de la molécule d'eau, voilà, elle est constituée, la molécule d'eau est constituée d'un atome d'oxygène lié à deux atomes d'hydrogène. Voilà. Petit 2. Conductibilité de l'eau. La conductibilité de l'eau. Voilà. L'eau pure conduit faiblement le courant. Cette faible conductibilité est due à la présence des ions hydronium et des ions hydroxyde qui sont présents dans la solution. Donc, on peut écrire l'eau pure conduit faiblement le courant électrique. L'eau pure conduit faiblement le courant électrique. Voilà. En fait, toutes les solutions ne conduisent pas le courant. Le courant, la conduction du courant dans une solution est due au porteur de charge. Il y a des solutions qui ne peuvent pas conduire le courant, comme le glucose. Le glucose n'a pas de porteur de charge, donc le glucose ne peut pas conduire le courant. Donc je disais, l'eau pure conduit faiblement le courant électrique. Voilà. Donc, si l'eau pure conduit le courant électrique, parce qu'il y a des ions dans l'eau pure. Voilà. Donc, cette conduction est due à la présence des ions. Voilà. Est due à la présence des ions.
Voilà. L'eau pure contient donc des ions. Ce sont ces ions-là qui sont responsables de la conductibilité de l'eau. Voilà. Petit 3. Autoprotolyse de l'eau. Autoprotolyse de l'eau. Autoprotolyse de l'eau. Voilà. La réaction d'autoprotolyse de l'eau, c'est la dissociation de l'eau en dihydrogène et c'est la dissociation de l'eau en ion hydronium et ion hydroxyde. L'eau se dissocie. C'est l'autoprotolyse de l'eau. L'autoprotolyse de l'eau. Ou auto, on peut aussi dire auto-ionisation de l'eau. Auto-ionisation de l'eau est la réaction. La réaction ou l'équilibre, hein, c'est une réaction d'équilibre de dissociation de l'eau, de dissociation de l'eau en ion hydronium H3O plus et hydroxyde. OH moins. Voilà. Donc, l'équation de la dissociation de l'eau en ion hydronium et l'ion hydroxyde. Nous avons donc H2O qui se dissocie, c'est une dissociation partielle, en donnant l'ion hydronium plus l'ion hydroxyde. Voilà. Nous avons deux atomes d'oxygène, là un seul, en équilibrant, nous ajoutons deux devant la molécule d'eau. Voilà. On a dit que l'eau pure conduit faiblement le courant. Cette faible conduction est due à la faible quantité des ions H3O plus et OOH moins dans la solution. Voilà pourquoi l'eau pure conduit faiblement le courant électrique. Voilà. Donc, vous avez ici l'équation d'autoprotolyse de l'eau pure. Ou l'équation d'auto-ionisation de l'eau pure. Donc, nous avons la réaction d'auto-ionisation de l'eau. L'eau s'auto-ionise en donnant l'ion hydronium et l'ion hydroxyde. Voilà. Cette réaction est très limitée. Cette réaction est très limitée. C'est un équilibre chimique. On va continuer. Petit 4. Produit ionique de l'eau. Produit ionique de l'eau. Produit ionique de l'eau. Voilà, on va voir le produit ionique de l'eau. Voilà, le produit ionique de l'eau noté KE, en fait, il est noté KE, c'est le produit de la concentration des ions hydronium ou ions oxonium par les ions hydroxyde, OH-. Donc, on va noter le produit ionique de l'eau. Noté KE est défini est défini par l'expression KE égale
concentration, produit de la concentration d'ion hydronium par la concentration d'ion OH-. Voilà le produit ionique de l'eau. L'expression du produit ionique de l'eau. Voilà, le produit ionique de l'eau est une constante à une température donnée. Le produit ionique de l'eau dépend de la température. Donc, le produit ionique de l'eau est une fonction de la température. Alors, à 25 degrés Celsius, le produit ionique de l'eau est égal à 10 puissance moins 14. À 25 degrés, 25 degrés c'est la température du laboratoire, à une température de 25 degrés, le produit ionique de l'eau est égal à 10 puissance moins 14. C'est une constante. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit que le produit ionique de l'eau est une fonction croissante de la température. Donc, le produit ionique de l'eau dépend de la température. Exemple, à 0 degré Celsius, le produit ionique de l'eau est égal à 0,12, 10 puissance moins 14. À 60 degrés Celsius, par exemple, le produit ionique de l'eau est égal à 9,6, 10 puissance moins 14. Voilà pourquoi tout à l'heure je vous ai dit que le produit ionique de l'eau est une fonction croissante de la température. À chaque température, on a une constante de KE, le produit ionique de l'eau. À 25 degrés, nous avons KE égal à 10 puissance moins 14. À 0 degrés Celsius, KE égal à 0,12, 10 puissance moins 14. À 60 degrés Celsius, KE égal à 9,6. 10 puissance moins 14. Voilà ce qu'on appelle par le produit ionique de l'eau. Voilà. Après le produit ionique de l'eau, nous allons passer à la notion de pH, grandeur, notion de pH. Notion de pH. Petit 1, définition. Voilà. On va d'abord définir le pH d'une solution. Le pH d'une solution, par définition, le pH d'une solution diluée est égal à l'opposé du logarithme décimal de la concentration en ion hydronium. Voilà. Donc, on peut noter le pH d'une solution aqueuse, le pH d'une solution aqueuse est l'opposé du logarithme décimal, est l'opposé du logarithme décimal de la concentration est l'opposé du logarithme décimal de la concentration en ion hydronium. En ion hydronium. Voilà. Donc, pH égale à l'opposé du logarithme décimal de la concentration en ion
hydronium. Voilà la définition du pH d'une solution. Voilà. Ceci est équivalent à... Si on connaît le pH, on peut aussi déduire la concentration d'ion H3+, d'ion hydronium, égale à 10 puissance moins pH. La concentration en mol par litre, bien sûr. Voilà. Voilà comment on définit le pH d'une solution. C'est l'opposé du logarithme décimal de la concentration en ion hydronium. Voilà. Connaissant le pH, on peut aussi déduire la concentration en ion hydronium de la solution. Voilà. Petit 2, notion de pOH. Notion de pOH. Voilà. Par analogie avec le pH, on peut définir le pOH comme étant l'opposé du logarithme décimal de la concentration en ion hydroxyde de la solution. Voilà. Donc, on va prendre la définition du pOH. Par analogie, le pOH est égal à l'opposé du logarithme décimal de la concentration en ion OH-. Voilà. Voilà le pOH d'une solution. pOH égale à l'opposé du logarithme décimal de la concentration en ion hydronium et en ion hydroxyde. Voilà. Si on veut déterminer la concentration en ion hydroxyde, comme ce qu'on a fait ici pour la concentration en ion hydronium dans le cas du pH, on aura donc la concentration en ion hydroxyde égale à 10 puissance moins pOH. Voilà. Donc, en dehors du pOH et du pH, nous avons aussi le pOH, qui est l'opposé du logarithme décimal de la concentration en ion hydroxyde. Voilà. Petit 3, nous allons établir une relation entre le pH et le pOH. Relation entre le pH et le pOH. Relation entre le pH et le pOH. Voilà. Voilà. Relation entre pH et pOH. Nous allons partir du produit ionique. Nous avons dit que le Ke, le produit ionique Ke de l'eau, est égal au produit de la concentration de l'ion hydronium par celle des ions hydroxyde, HO-. Voilà, nous avons une égalité. Nous pouvons introduire l'opposé du logarithme décimal. On aura donc moins log de la concentration de Ke, on introduit l'opposé du logarithme décimal de part et d'autre de notre égalité, égale à moins log de la concentration en ion hydronium fois
la concentration en ion hydroxyde. Voilà. Or, nous savons que lorsqu'on a log de A fois B, ça nous donne log de A plus log de B. C'est une propriété de la fonction logarithme. Donc, on aura moins log de KE égale à moins log décimal de la concentration en ion H3O+, moins log de la concentration en ion hydroxyde OH-. Voilà. Tout à l'heure, nous avons dit que le pH était égal à l'opposé du logarithme décimal de la concentration en ion hydronium. Et le pOH est égal à l'opposé du logarithme, du logarithme décimal de la concentration en ion hydroxyde. Voilà. Moins, on a donc moins log de KE égale à pH plus pOH. Or, moins log de KE égale à pKE. On a donc pKE égale à pH plus pOH. Voilà la relation qui lie le pOH, le pH et le pOH. pKE égale à log pKE égale à pH plus pOH. Voilà. Maintenant, à 25 degrés Celsius, pKE égale à moins log de KE égale à moins log de 10 puissance moins 14. Donc, pKE sera égal à 14. Donc, c'est-à-dire qu'à 25 degrés Celsius, on aura pH plus pOH égale à 14. La relation, voilà la relation qui lie le pH et le pOH. Petit 4, pH des solutions acides, basiques et neutres. pH des solutions acides, basiques et neutres. Petit A, solution acide. Dans une solution acide, il y a plus d'ion H3O+ que d'ion OH-. Donc, dans une solution acide, il y a un excès d'ion hydronium par rapport aux ions H3O+. Donc, une solution est acide lorsque la concentration des ions hydronium est supérieure à la concentration des ions OH-. Et en ce moment-là, on aura donc dans une solution acide, il y a plus d'ion H3O plus que d'ion OH moins. Donc, la concentration en ion hydronium est supérieure à la concentration en ion OH-. Et on peut multiplier les deux membres de l'inégalité par la concentration en ion hydronium. On aura donc H3O+ au carré supérieur à la concentration en ion H3O+. Voilà.
par OH-. Voilà. On a multiplié les deux membres de l'inégalité par la concentration en ion H3O+. Voilà. Donc, on a H3O plus au carré supérieur à la concentration en ion au produit de la concentration en ion H3O plus par la concentration des ions OH-. Voilà. Ici, ce produit-là représente le Ku. Donc, on aura concentration en ion hydronium supérieur, en ion hydronium au carré supérieur à Ku. Donc, la concentration en ion hydronium sera supérieure à la racine carrée de Ku. Ku représente le produit ionique de l'eau. Voilà. On a donc concentration en ion H3O+ supérieure à Ke à la puissance 1/2. On introduit l'opposé du logarithme décimal. On aura moins log décimal de la concentration en ion H3O+ inférieur à moins log décimal. En multipliant par moins, le sens de l'inégalité change. Ke exposant 1/2. Voilà. Voilà. On a donc moins log, moins l'opposé du logarithme décimal de la concentration en ion hydronium inférieur à moins log de la de Ke. Donc ici, on aura moins log de la concentration en ion hydronium inférieur à moins 1/2 log de Ke. Or, log de Ke, c'est le pKe. Voilà. Moins, on a donc. Or, pKe égale à moins log de Ke. Voilà. Log de Ke. Ke, c'est 10 puissance moins 14. Voilà. 10 puissance moins 14. On aura donc ISA moins log de la concentration de H3O+ représente le pH. On aura donc le pH inférieur à 7. Parce que Ke égale à 10 puissance moins 14. Moins 14 divisé par... Ici, là, on applique la propriété là. Ça fait donc... pKe égale à moins log de 10 puissance moins 14. Voilà. Donc, quand ça va descendre, on aura donc pH inférieur à 7. Voilà. Donc, lorsqu'on a une solution acide, le pH d'une solution acide est inférieur à 7. Donc, à 20, on peut résumer ceci ça en disant à 25 degrés Celsius, Ke égale à 10 puissance moins 14, pKe égale à 14 et le pH inférieur à 7. Donc, à 25 degrés, pour toute solution acide, le pH est inférieur à 7. Voilà. Petit b, solution basique. Solution basique. Voilà. Dans une solution basique, il y a plus d'ions hydroxyde que d'ions H3O+. Donc, on a un excès en ions hydroxyde dans la solution basique. Donc, on va noter dans une solution basique,
Il y a plus d'ions OH- que d'ions H3O+. Voilà. Donc, la concentration en ion OH- est supérieure à la concentration en ion H3O+. Voilà. La concentration en ion hydroxyde est supérieure à la concentration en ion H3O+, dans une solution basique. Voilà. Donc, à partir de là, nous avons la concentration en ion OH- supérieure à la concentration en ion H3O+. Hein? On peut aussi écrire ça comme ceci. Ou concentration en ion H3O+ inférieure à la concentration en ion OH-. Voilà. On procède comme précédemment. On multiplie les de part et d'autre de l'inégalité par la concentration en ion H3O+. On aura donc H3O+ au carré inférieur à concentration de H3O+ fois concentration de OH-. Voilà. On introduit l'opposé du logarithme décimal de part et d'autre de l'inégalité. On aura avant d'introduire l'opposé du logarithme décimal, on tire d'abord la concentration en ion H3O+. On aura concentration d'ion H3O+ inférieure à racine carrée de la concentration en ion H3O+ fois la concentration en ion OH-. Or, tout ça nous représente le KE, le produit ionique de l'eau. Donc, on aura concentration d'ion H3O+ inférieur à racine carrée de KE. Voilà. Et à partir d'ici, on introduit l'opposé du logarithme décimal. On a donc moins log de la concentration en ion hydronium en multipliant par moins 1. Le sens de l'inégalité change. On aura donc ça sera supérieur à moins log racine carrée de KE. On a donc moins log de la concentration en ion H3O+ supérieur à moins log supérieur à moins log décimal de KE à la puissance 1,5. Donc, moins log de la concentration en ion H3O+ supérieur à moins 1,5 de log de KE. Voilà. Log de KE donne pKe et moins log de la concentration en ion hydronium représente le pH. Donc, dans une solution basique, le pH est supérieur à 7. Voilà. Donc, à 25 degrés Celsius, le pKe est égal à 14 et le pH d'une solution basique est supérieur à 7. Voilà. On va continuer. Voilà. Après la solution acide, la solution basique, nous allons voir le cas d'une solution neutre. Petit c, solution neutre. Voilà. Tout à l'heure, nous avons dit que dans une solution acide, il y a un excès d'ion H3O+ par rapport aux ions OH-. Dans une solution basique, il y a un excès d'ion OH- par rapport aux ions H3O+. Dans une solution neutre, il y a autant d'ions hydronium que d'ions hydroxyde. Dans une solution neutre. Dans une solution neutre,
La concentration des ions hydronium est égale à la concentration des ions hydroxyde. Donc, dans une solution neutre, il y a autant d'ions hydronium, d'ion H3+, que d'ion OH-. Voilà. Dans une solution neutre, il y a autant d'ion H3+ que d'ion OH-. C'est-à-dire que la concentration en ion hydronium est égale à la concentration en ion OH-. Voilà. En introduisant, en multipliant les deux, en multipliant l'égalité de part et d'autre par la concentration en ion H3+, on aura donc concentration d'ion H3+ au carré égale concentration d'ion H3+ fois la concentration d'ion OH-. Voilà. Ça représente le produit ionique de l'eau. Donc, concentration d'ion H3+ au carré égale à KE. On aura donc concentration d'ion H3+ égale à racine carrée de KE. On introduit l'opposé du logarithme décimal. On aura donc moins log décimal de la concentration d'ion H3+ égale à moins log décimal de KE exposant 1 demi. Voilà. Moins log de la concentration d'ion H3+ représente le pH. Et ici, on aura donc moins log de la concentration d'ion H3+ égale à moins log décimal de moins log de moins 1 demi. Hein? On étudie la propriété de la fonction ln. Log de a à la puissance n, c'est égal à n log de a. Voilà. Votre n, c'est 1 demi. Donc, en ce moment-là, on aura moins 1 demi log décimal de KE. KE égale à 10 puissance moins 14. Voilà. 10 puissance moins 14. Donc, ici, on a moins log de la concentration de H3+, ça représente le pH, égale à moins 1 demi log de 10 puissance moins 14. Ça nous donnera donc 14 sur 2 log de décimal de 10. Alors, log décimal de 10, c'est 1. Donc, le pH est égal à 7. Lorsqu'on a une solution neutre, le pH d'une solution neutre est égal à 7. Donc, à 25 degrés Celsius, pKe égale à 14 et le pH est égal à 7. Voilà. Donc, lorsqu'on a une solution acide, le pH d'une solution acide est inférieur à 7. Lorsqu'on a une solution basique, le pH d'une solution basique est supérieur à 7. Et lorsqu'on a une solution neutre, le pH d'une solution neutre est égal à 7. On va noter une petite remarque. Voilà. Une petite remarque. Voilà. Dans la remarque, qu'est-ce que nous allons dire? Le pH et la concentration en ion hydronium varient en sens inverse. Donc, lorsque la concentration est élevée, le pH est petit et vice-versa. Voilà. Donc, le pH, on va noter, le pH et la concentration. Le pH et la concentration en ion H3+ varie en sens inverse.
en sens inverse. Le pH et la concentration en ion H3O+ varient en sens inverse. C'est-à-dire que lorsque le pH est grand, la concentration en ion H3O+ est petite. Et lorsque le pH est petit, la concentration en ion H3O+ est grand. Voilà. Donc, la concentration en ion H3O+ et le pH d'une solution varient en sens inverse. On va continuer à dérouler notre cours. On va passer à l'échelle des valeurs du pH d'une solution. Échelle des valeurs du pH. Petit 5, échelle des valeurs du pH. Échelle des valeurs du pH. Voilà. Les valeurs du pH d'une solution, le pH d'une solution ne peut prendre que des valeurs comprises entre 0 et 14. Le pH d'une solution. Le pH d'une solution est toujours positif. Il prend les valeurs comprises entre 0 et 14. Voilà. On va noter ça. Le pH d'une solution. Le pH d'une solution ne peut prendre que des valeurs comprises entre 0. Le pH d'une solution ne peut prendre que des valeurs comprises entre 0 et 14. Le pH d'une solution ne peut prendre que des valeurs comprises entre 0 et 14, à la température de l'expérience, bien sûr. Voilà. On peut tracer une échelle entre 0 et 14 à la température de l'expérience. Voilà, donc on a une échelle des valeurs du pH. On a 0, on a 7, on a 14. Voilà. Ici, lorsque on est dans cet intervalle, les solutions sont acides. Lorsque on est à 7, les solutions, lorsqu'on est dans l'intervalle compris entre 0 et 7, la concentration en ion H3O+ est supérieure à la concentration en ion OH-. Ici, là, on a des solutions acides. Ici, la concentration en ion H3O+ est inférieure à la concentration en ion OH-. On a des solutions basiques. Et ici, la concentration en ion H3O+ est égale à la concentration en ion OH-. On a des solutions neutres. Voilà. Voilà comment on peut résumer l'échelle des valeurs du pH d'une solution. Voilà. Entre 0 et 7, on a des solutions acides. Quand c'est 7, on a des solutions neutres. Quand la concentration d'ion hydronium est inférieure à celle des ions OH-, on a des solutions basiques. Voilà. On va continuer. Petit 6.
mesure et estimation du pH. Mesure et estimation du pH. Mesure et estimation du pH. Voilà, pour mesurer le pH d'une solution, on utilise un appareil appelé pHmètre. Pour mesurer le pH de façon précise, on utilise un appareil appelé pHmètre. On utilise aussi le papier pH ou les indicateurs colorés pour mesurer le pH de façon approximative. Ça donne juste une valeur approximative. Mais c'est le pHmètre qui permet de mesurer avec exactitude le pH d'une solution. Voilà. Donc, on mesure le pH d'une solution avec un appareil appelé pHmètre. On mesure le pH d'une solution à l'aide d'un appareil appelé pHmètre. On utilise également le papier pH et les indicateurs colorés pour avoir une valeur approximative. Voilà. Donc, le papier pH permet d'avoir une valeur précise du pH. Le pHmètre permet d'avoir avec précision, de mesurer avec précision le pH d'une solution. Et le papier pH et les indicateurs colorés permettent d'avoir le pH de façon approximative. Voilà les appareils ou les instruments qui nous permettent de mesurer le pH d'une solution. Parmi les indicateurs colorés, en classe de 3e par exemple, vous avez vu la phénolphtaléine, l'héliantine, le bleu de bromothymol. Voilà, ce sont les indicateurs colorés qu'on utilise pour mesurer, connaître le pH d'un milieu. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va continuer prochainement. Merci.